Et recoucou mes scrapettes et mes scrappeurs, comme je vous avais dit. Hein, mes petits elfes sont toujours là en train de broutiner, tranquillou, ils sont tout calmes. Je vais commencer par vous montrer. Ah, bien sûr, j'ai participé au défi, moi aussi. Hein. Que croyez-vous? Je vais le faire. Alors, j'ai fait des papiers au café parce que j'ai un junk à faire. Et j'ai testé un truc parce que j'ai du mal avec les pochoirs et machin. Donc là, je les ai laissés toute la nuit. Donc du coup, ça me fait des taches un peu marrantes parce que j'aime bien, vous voyez. Et on va voir si ça a fonctionné ensemble parce que j'ai pas regardé du coup. Oh, oui, ça a marché. Regardez-moi ça. Du coup, ça me donne ça. Mais avec des taches marrantes, j'aime bien. Et à l'intérieur, j'avais mis un pochoir. J'espère que ça va pas coller. Ça, c'est le principe du café. Derrière, il se voit aussi. Et là, j'ai mis mon pochoir. Alors, je ne sais pas du tout. Bah, il n'a pas marché. Voilà, celui-ci ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne Oh, j'ai fait tomber mes zèbres. Du coup, bah, ça me fait des taches un peu originales. J'aime bien. Pareil. Et puis là, derrière, on voit aussi. Ça a même débordé un peu là. Regardez. Ouais, ça a même débordé un peu là. Donc, il faudrait que j'en mette un à l'intérieur. Et je fasse. Mais là, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ouais, franchement, là, c'est magnifique. Mais ça n'a pas marché. On va voir si le deuxième a fonctionné. Alors, j'avais fait des pages doubles. J'ai dit, tiens. Eh ben, ça a super bien fonctionné. Mes pages sont magnifiques. Et j'aime beaucoup les effets là, que ça donne. Hop, de l'autre côté, ça a bien marché aussi. Là, c'est pareil. Ça a un peu débordé ici. Et... Ah, ça a marché un tout petit peu. Un tout petit peu. Je comprends pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Regardez, un tout petit peu. Ça fait joli par contre. Hein. Ça fait super joli. Là, on voit aussi un tout petit peu, vous voyez. Et moi, ces pages-là, comme je vous disais, hein, je ne les repasse pas. Je les... Même double, ça fonctionne. Même un peu plus épaisse, ça fonctionne. J'appuie bien, je les aplatis bien. Et je les mets dans la plastifieuse. Et ce qui fait que ça me donne des pages comme si elles avaient été repassées. Ça fait ressortir même les dessins. Donc, je suis contente, ça a fonctionné quand même un peu sur une. Bon, pas sur l'autre par contre. Je ne comprends pas. Bon, je retenterai. Hein. Et ça fait des belles... Ça fait des... Alors c'est dommage, des trucs comme ça de chez Action, j'ai que en cœur. Il y aurait d'autres modèles, j'aurais pris. Comme ça, ça m'aurait fait des super belles pages. Bon, j'ai plus qu'un étonnement. C'est avec ça que je mets le café dessus. Et mon plateau, et vous voyez, il y a des petites rayures à mon plateau. Je sais pas si vous allez bien voir, là, il est plein de café, vous voyez. Et ça marque sur le papier, ça fait joli. J'ai des plaques aussi que bah, j'ai essayé de faire dehors, mais étant moi en immeuble au rez-de-chaussée, je me suis dit, bon, je vais faire dehors. Sauf que bon, bah, nous, on n'a pas un terrain plat, on n'a pas de terrasse, on n'a pas de machin, donc j'ai mis sur l'herbe. Alors ça faisait des bleus, et puis pendant un moment, il y a eu un coup de vent, tout est s'envolé. J'ai dit, hop, je rentre, je fais fini. Au four, j'ai oublié mon zut. Je vais le chercher. Allez, c'est parti, on va faire des ATC. Bon, ils sont couchés, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va essayer de faire un truc. Je sais pas comment je vais faire, j'en fais rien. C'est pas grave, on va le faire. On va le faire ensemble. Donc... ATC, je rappelle le principe, c'est les petites cartes qu'on s'échange ensemble. Il y a des dimensions bien particulières. C'est 8, 9. Donc 9, c'est ici pour moi. 8, 9. Oups. Sur 6, 4. Et voilà. En ligne. 6, 4. Dans la 2. Et dans la 3. Ça, c'est tout petit. Et ça, il faudrait essayer de créer un truc de cette taille. Donc, nous allons faire 3 ATC ensemble. Doupi doupi doum. Et pour faire les ATC, nous allons prendre ces... Oh, j'ai perdu un œil. Il y en a, il a perdu un œil. Bon, bah, on va utiliser les autres. Il a perdu un œil. Merde, il était marron celui-là en plus. C'est bien dommage. Puis si j'enlève et que je mettais du feutre, c'est du plastique, je suis pas sûre que ça. Ouais, je voyais.
Il faut la jouer. Là, par contre, je vais faire des bombes parce que je vais essayer de créer un truc. Si ça vient faire un 3, je vais faire 3-2. Un peu plus grand, il faut que je déchire. On va faire 4. Voilà, il faut que je déchire. Et 8 et demi. Pourquoi je dis tout bas 8 et demi, moi? Je ne sais pas. Alors, j'ai une idée en tête, hein, mais je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai mes fonds. J'ai mes fonds. Je mettrai mes fonds après, moi, derrière. J'ai pris des pailles et je vais essayer de faire comme si c'était un arbre et voir pour mettre mes petits singes sur là. La fille est un peu... elles sont costauds, les pailles, elles sont costauds. Mais on va y arriver quand même. Hop. J'en aplatis une. J'aplatis. J'ai oublié le ciseau. Hey. Je n'arrive pas. En plus, je me fais mal. Aïe. Je me fais mal. Oh. Attirer comme ça dans l'autre sens, c'est vrai que c'est pas agréable. Bon. On va déjà prendre ces petites choses-là. Je vais les déchirer un peu. Hop, voilà. En haut. Pas comme ça, je voulais faire. Merci. Voilà. Sur le côté, pareil, je vais faire un effet un peu usagé. Et le bas, bah oui, toujours. Parce que si j'en fais sur un côté, je fais sur l'autre. Je prends ma petite Distress Vintage Photo. Je vais venir ancrer les beurres. Alors, comme il me restait un fond de jaune sur mon tampon, en fait, ça fait une couleur qui est super sympa. Je vais vous montrer ça. J'arrive. Je finis tôt. Regardez. Le mélange, en fait, au fur et à mesure, c'est super sympa. C'est super sympa. Alors, comme d'habitude, j'en fais une avec vous. Hein, et puis, j'ai fait les deux autres, toute seule, comme une grande. Alors, je viens coller ma petite chose. Oh, j'ai pas de pellicule. Étonnant. Et ton aillon. Franchement. Alors, je sais pas encore trop hein, comment je vais faire, mais j'ai eu cette idée. C'est quand j'ai vu ma planche qu'il me restait mes petits singes. J'ai dit, tiens, je vais faire quelque chose avec. Et là, par contre, forcément, je voulais un peu de colle. D'habitude, ça coule sur mes doigts, machin. Bah là, non, ça n'a pas voulu. Je mets un peu de colle, en fait, pour qu'il reste en place. Vous voyez, les petites choses, là. Voilà. Et là, on va venir prendre cette petite fleur. Là, je vais en prendre une. Écoute, là, maintenant, j'en ai plein les doigts. Une petite fleur jaune et je vais venir la coller. Hmm.
la coller comme ceci. Par contre, je vais couper. Recouper la dame. Hop, je garde bien le reste. Il n'y a pas de perte. Hein. Je garde bien le reste parce que je viens le coller en bas. Juste ici. Et voilà. Bon, là, on va essayer de mettre notre petite paille. Hop, du coup, je la coupe ici. Il faut que je voie. Alors, est-ce que... Si je mets une feuille comme ceci, je mets la paille ici. Pour faire comme le, si c'était le tronc. Et après avec... oui, on va essayer ça. Et mieux dans ce sens là. Ouais, si jamais pas l'endroit. Hein. Hop, je viens coller ma petite feuille, ma petite entreprise. Connais pas la crise. Je vais la mettre là. Je vais venir coller ma paillounette. Par contre, ma paille, je vais peut-être prendre ça. Ma paillounette. J'ai dit ma paillounette. J'arrive pas à trouver la colle scotch à venir. C'est une catastrophe. Trouver de la colle scotch, c'est un vrai défi. Et voilà, je viens coller ma paillounette. Et je vais essayer, je dis bien. Par contre, je n'ai pas mis de colle là. Ça va. Ah, par contre, non, je vais attendre avant de mettre de la colle. Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre. Cette petite chose. Voilà. Et reviens-t'es avec moi. Reviens-t'es avec moi. Comme ceci. Bon, attends, je peux mettre la colle. Voilà. Et là, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer. J'ai oublié de faire une chose. Avant toute chose. Mais j'ai oublié. J'ai complètement oublié de... Voilà. Pour qu'on fasse comme un tronc. Voilà. J'avais oublié. Bon, ça va. Ça va, ça va. C'est pas trop mal. Ça veut pas s'ouvrir. Je vous montre après. Hein. Il veut pas. Non, il veut pas. Et je vous jure, quand vous n'avez pas de d'ongles, c'est atroce. Moi, j'arrive à rien. J'ai pas d'ongles, j'arrive à rien. On va essayer. De ce côté-là, c'est quoi? Je ne les connais pas trop, ces feutres, en fait. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Et de ce côté-là, c'est quoi? Il n'y a rien de ce côté-là? Ah, si, je pense qu'il doit y avoir. Chaque feutre, je pense qu'il doit y avoir deux mines. Une fine. Bah oui, normalement il y a deux mines, sauf que, bah écoutez. Ça veut pas.
essayer sur un autre. Parce que franchement. Ah bah dis donc. Celui-là, il ne veut pas s'ouvrir. Hein. Et là. On va essayer de faire comme un arbre. Des branches. Et de l'autre côté. Ah non mais dites. Alors par contre ils sont bien hein, alors mais là on va mettre les petites feuilles. Essayer, hein. Pas non plus que ça ressemble parfaitement à un arbre. Hein. Ah bah, je vais marcher pas. Hein. Alors, c'est très métallisé par contre, hein, là-dessus, je suis d'accord. C'est hyper métallisé. Ouais, c'est hyper métallisé, hein. Là-dessus je suis d'accord, mais alors, par contre, à ouvrir, c'est une cata, hein. Franchement, à ouvrir, wow. Ah, il n'y a pas de danger, famille. Alors, par contre, on voit pas beaucoup la différence de couleur. Hein. Je ne les ai pas encore testés. Ouais, ben on voit pas trop la différence de couleur, hein. Je peux vous assurer que... Bon, voilà, j'ai fait comme un arbre. Et par contre, vous voyez, ouais, c'est bien métallisé, hein, ça. Je peux pas le nier, c'est hyper bien métallisé. Mais bon, voilà quoi. Je vais mettre celui-là. Je vais mettre notre petit singe là sur la feuille. Il faut qu'il tienne. Parce qu'il est quand même, il est quand même grand, le petit singe. Voilà, on colle bien. On colle bien. On colle bien. Et voilà. On a notre premier ATC singerie. Alors, est-ce qu'il bouge les yeux ? Ouais, il bouge un peu. Ouais, il bouge un peu. Ouais, il bouge un peu. Voilà, notre première ATC singerie. J'avais envie de faire un truc délire. Avec une paille qui fait l'arbre. Voilà, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Je fais les deux autres et puis bah, je vous retrouve. Et voilà ma série de singerie. Attends, je vais prendre. Je vais toutes vous les mettre ici. Le mur, c'est marron. Et voilà. Mes ATC singeries. Avec des petites bananes, des petits singes, des petites fleurs, une petite paille pour faire croire que c'est un arbre. J'ai essayé de faire des petites branches comme ça. Et je trouve que c'est super sympa en fait. Ça fait des petits fronts. Voilà. Voilà, voilà, mes loulous, c'était une petite vidéo rapidou, libre de loup, sur des petits singes. Je vais dans ma scrap room, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je referais bien des ATC avec. Et ben voilà, une série de 3 ATC sur les singeries. Le prochain projet, ah oui, alors avant, voilà. Franchement, en métal, ils sont géniaux. C'est à essayer sur des feuilles blanches, ils sont géniaux. Par contre, l'ouverture et la fermeture, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez eu le même problème que moi, mais alors c'est une catastrophe, l'ouverture et la fermeture de ces... Bon, oui, regardez, voilà. C'est une catastrophe. Alors déjà, vous avez un mal de chien à les défaire, et en plus, ils ne tiennent pas. Les bouchons ne tiennent pas, c'est une véritable catastrophe. Et à les ouvrir, alors là, c'est... Bon, c'est dommage, hein, c'est les twins. Soit je suis tombée sur une mauvaise... j'en sais rien, je ne sais pas, mais... Ouh. C'était une cata.
Enfin bref. C'est comme ça. Hein. Il me reste quelques singes. Hein. Bon, un qui est bon, le pauvre. Mais il me reste 4 singes. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je verrai bien. On verra bien. Ils sont tous choupinous. En plus, c'était une copinette qui me les avait envoyés. J'avais déjà fait des choses avec. Ben là, j'en fais une série singe. Voilà. 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 Ah oui, je voulais regarder. Oh, bah, tant pis. Tant pis, j'ai pas utilisé le découpe. J'ai pas eu besoin. Je trouvais que les fleurs, ça allait très bien. C'était suffisant. Là, il faut que je remette une petite pointe de colle qui colle bien. Je ferai avec vous, avant de faire le junk, une carte. Il faut que je finisse le principe de la carte. Enfin, la matière qui me servira pour la carte. Il faut que je la fasse. Et on fera une carte vacances. Oui, en ce moment, je suis partie sur les vacances. J'oublie, voilà. Ça, on dirait que c'est des ATC pour quand vous allez dans un zoo. J'aime bien les couleurs, en plus, on vient ensemble. Vous allez dans un zoo, vous avez des petits singes qui font des bêtises et machin. Bon, bah voilà, ça fait partie des vacances. Ça fait partie du job. Ça fait partie. Voilà, tout simplement. Ça fait partie. Et on fera une carte, mais un peu spéciale. Enfin, un peu spéciale, avec du matériel spécial dedans. Et je mélangerai du crochet aussi, vous verrez pourquoi. Donc, il faut que je finisse ce que je suis en train de préparer. Et il y aura le projet un peu plus gros, qui est un junk portefeuille. Il se fera, je pense, en 3 vidéos. Vous verrez, il y a 3 côtés. Donc, on fera la structure qui est assez simple. Mais il y aura quelque chose à mettre pour pouvoir le fermer. Et il faut que je vois comment je vais faire ça. Parce que la première fois, j'en avais fait un, mais ça n'allait pas trop. Et je ne peux pas vous le montrer parce que j'en avais 2, j'en ai offert une à une copinette et puis l'autre c'est ma belle-sœur qui l'a. Oui, sinon je vous aurais monté le principe. Mais là j'en ai plus. Donc on fera ensemble. Sur ce, mes loulous, si vous avez aimé cette petite vidéo d'ATC hyper marrante, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.